du rewind. C'est l'heure du rewind. C'est l'heure du rewind. L'heure du rewind de Twitch. C'est l'heure du rewind. Avec tout plein de streamers qui crient. Bonsoir à tous et bienvenue pour un tout nouveau Rewind de Twitch. Alors désolé, hein, cette semaine ça ne sera pas 10 minutes, on revient sur un format classique mais ô combien apprécié. On démarre directement avec un fuck carnage de la part de notre bon Samuel Etienne. Généralement on dit fuck carnage, si jamais tu... Fuck carnage. Exact, voilà. Ok. Sera ravi. Avec la sortie de Arcane sur Netflix, les streamers de Solaris se sont mis dans l'ambiance et ils ont même réussi à faire venir l'une des héroïnes de la série. La Brevaille. C'est la Brevaille. OMG. 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 La Brevaille. What the fuck. Oh, le retour de la Brevaille. What the fuck. Oh là là, la même. Mais attends, elle a tout pareil. What the fuck, Step Vaille. C'était aussi l'occasion d'organiser un petit maillon faible revisité avec Xari qui n'a pas vraiment prêté attention aux intitulés des questions. En Belgique, combien coûte une Pink Ward? 75 gold. 75. 50. Un peu plus d'une semaine que le The Event est terminé, mais la nostalgie est toujours présente. Je savais pas qu'il avait peur de vous. J'ai eu peur des Jeux, mais lui, c'est un délire. Oui, il va se passer un truc là. Non, c'est pas une aventure qu'on voulait vivre, hein, de base. La bikini mam, attends. Oh, vas-y. Et comme si ça ne suffisait pas, les viewers s'y mettent aussi avec des sons de donation. Toi, dans une autre vie, tu vas prendre cher, mec. Le karma, il va te rattraper, mais pas aujourd'hui. On l'a vu lors du The Event, Inox a littéralement explosé le tableau d'étoiles, et fort heureusement, il n'a pas fallu très longtemps au karma pour le rattraper. C'est un faux. Mais c'est un malade, mais oui, c'est un faux. Oh. C'est un faux, c'est un faux. C'est un faux. Il a cassé mon tableau. Oh le... Oh là là. Eh, ça c'est pour étoile. C'est pour étoile. Il a claqué trop fort la porte, le tableau d'Inox il s'est cassé. Non, étoile karma. Étoile, c'est pour toi. Le karma. Étoile. D'ailleurs, tant que t'es là, Amine, je vois que tu aimes bien diffamer, hein. Mais il va peut-être falloir répondre de tes crimes à un moment donné, non? Je crois que c'est Amine, frère. Amine, c'est trop grave. Il a fait question pour un streamer avec sa doudoune, frère. Il a fait ça avec une polaire, ce bâtard. Il faisait 15 000 degrés. Il a tellement sué dedans. Tu le touchais, c'était les chutes du Niagara, frère. Je suis sûr que quand il l'a enlevé, elle tenait debout. Tellement elle était dégueulasse. Ça puait. J'ai cru que Amine, il m'avait fait le jeu. Je t'ai volé ton nez, mais pour de vrai. Parce que je pouvais plus rien sentir après ça. C'est super grave. Voilà, je le dis, après vous prenez comme vous voulez, prenez comme vous voulez. En parlant de Grimm, on me dit dans l'oreillette que l'argent du The Event aurait été perdu depuis une semaine et heureusement retrouvé. Tiens donc, sur le compte de Mintos. Moi je suis pauvre, moi. Oui, c'est ce que je dis, je suis pauvre, moi. On a retrouvé l'argent du The Event. Ah merde, merde, leak. Non. Attendez, j'ai un colis. Bah, une semaine ne passe sans une dinguerie du Lord sur Warzone, avec cette fois-ci un 360 et un kilo couteau qui fait plaisir. Oh oui oui. Malheureusement pour lui, il s'est vite fait calmer par Trivia sur PUBG. Où la team? Ah, je suis à terre, la team. Oh. Ouais, juste à rentrer, je vais Allez, je vais mourir maintenant, faut quelqu'un me sauve vite. Mais Trivia, tu m'as tiré dessus. Oui, bah t'es passé devant. Et en plus de faire des cascades avec les motos, elle se permet d'écraser la concurrence. Viens, Agota. Okay. Moi aussi, je vais me battre. Ok, tu vois, ouais. Le regard, le mec à droite. Attends. J'ai eu, c'est bon l'écran. Let's go. Fuck. Tu vois, c'est l'écran. Il a dit quoi? On l'a écrasé, il a fait fuck. Zank a eu un peu moins de réussite sur Vanguard. En même temps, Tema la taille de la raclette. Non mais tu dis à nous, j'ai envie de savoir son arme. Parce que lui c'est vraiment n'importe quoi. Mais Tema, mais le mec il joue avec un frisbee. Il joue avec un frisbee, le mec. C'est une raclette. Il joue avec une raclette. Et ma mère, il peut poser du fromage sur l'arme. On commence à avoir l'habitude, mais Gotaga met toujours la barre un peu plus haute quand il ramène des stars sur Twitch. Cette fois-ci, c'était Paul Pogba, et le duo a fait des ravages sur le nouveau code. Eh, à ta gauche, derrière toi, attention, derrière toi. Super ça, la cover. Oh la com, elle était incroyable. Tellement chaud qu'on aimerait bien le voir sur Twitch. Peut-être une exclue. Ok, bah vas-y, 2022, attendez-vous à... Le POC Twitch. Let's go. Il l'a dit, les gars. Clippé, il l'a dit.
Petit tuto en compagnie d'Orti pour nos amis streamers qui cherchent à faire une belle scène. La magie du hors-champ fonctionne toujours. Du coup, ouais, j'ai repeint le mur, mais alors, je vous montre un secret, faudra pas le raconter. Je suis assez petite, j'ai un escabeau, mais même avec l'escabeau, j'arrive pas à atteindre le plafond. Faut pas le dire. Malheureusement, c'est déjà la fin de ce rewind de Twitch et on se laisse sur ces belles images du Téléthon Gaming et les 110 000 euros récoltés pour accélérer la recherche. Bravo à toutes et à tous. Quant à nous, on se dit à la semaine prochaine. Merci, merci à tous. Merci à tous.